Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. Alors, bon ben voilà, on a déjà pris un jour de retard par rapport au vlog parce que hier j'avais commencé à filmer. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Mais donc hier c'était une grosse journée, mais j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup filmé. Du coup, on passe directement à dimanche aujourd'hui. Puisque hier, j'ai juste eu le temps de commencer mon repassage. Ça m'a pris un temps énorme. J'ai repassé le tissu pour la robe maize. Et en fait, c'était long. C'était très très long. Je pensais avoir le temps de finir de mon repassage. Après, commencer à faire le puzzle de l'avant. Et pas du tout. J'ai même pas fini mon repassage. On était invités le midi, donc on a dû partir. J'avais même pas fini mon repassage. Il va falloir que je le finisse aujourd'hui. On a voulu aller au cinéma. Sauf que le projecteur ne marchait pas. Sauf que le projecteur ne marchait pas. Voilà. C'était génial. Donc, du coup, la séance a été annulée. Donc, on est revenu avec un remboursement de nos places. Mais du coup, il va falloir qu'on trouve un autre moment où y aller pour aller voir le film finalement. Donc, on a vu quoi? Je pense qu'on a vu. La moitié. Je pense qu'on en a vu la moitié. Ou peut-être même pas. Peut-être même pas la moitié. Et ensuite, on a été manger au restaurant. Et voilà. Et on est rentré tard. Très tard hier soir. Et du coup, j'ai pas beaucoup vlogué. Donc, j'en repars aujourd'hui, dimanche. Ce matin, je vais faire des pancakes. Parce qu'on a cette petite tradition en fait chez nous, c'est que quand il y a un anniversaire, on fait des pancakes pour le petit déjeuner. Là, c'était l'anniversaire de Clémentine cette semaine, donc on va aller faire ça. Et puis voilà, ça va être bien pour commencer la journée. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, en cuisine. Petit problème, le tissu que j'avais, que je réservais pour faire ma chemise au cas où, ben j'en ai pas assez en fait. J'en ai pas assez du tout, je pensais en avoir pris 2 mètres et j'en ai pris qu'un seul mètre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça veut dire que je ne peux pas faire les manches. Donc j'ai bien pu mettre tout le reste sur l'autre tissu, hein, parce que je voulais faire en deux couleurs. Et là, bah, ça va pas du tout. Donc, je suis très très déçue. J'ai cherché partout dans mon stock si j'avais pas du tissu qui irait bien. Donc, clairement, il n'y a aucun autre tissu qui allait bien avec celui-là, là, celui que j'adore de pingouin
et ours polaire. Donc je vais changer, tant pis, il n'y aura pas d'ours polaire et de pingouin sur ma chemise. Je suis vraiment hyper hyper déçue. Mais déjà je vais repasser le tissu que j'ai. Donc heureusement que je n'ai pas cousu toutes mes boîtes crafting box, puisque là je vais récupérer la double gaze blanche avec des paillettes dorées dessus, donc ça fera au moins un petit peu festif, même si bah, il n'y a pas marqué Noël dessus. Je vais tester, on va voir, je vais bien repasser là ma double gaze. Et on verra ce que ça donne, si j'ai assez de tissu pour faire tout là-dedans. Je croise les doigts parce que sinon je sais pas quoi faire. Bon allez, on est reparti. Donc je vais réétaler mon tissu et on va voir si ça rentre. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que ça rentre dans le tissu. Parce que là je sais pas quoi faire sinon. Bon, donc je vais tester autre chose puisque ça rentre pas dans la tissu, parce que de toute façon il m'en crabe plein de trucs. Je vais réessayer encore avec le tissu que je voulais, mais cette fois j'ai mis la manche dans le... pas dans le droit fil, je l'ai mis à la perpendiculaire. Donc il y a un tout petit bout là qui dépasse, mais j'ai espoir qu'une fois qu'on aurait découpé le devant, là, le devant et le dos, la pièce qui reste, elle soit mieux pour placer cette manche là. Donc je vais déjà découper ces deux pièces là et puis j'essaierai de faire entrer ça dans ceux qui restent, sinon ben, j'adapterai, on verra. La manche sera moins bouffante, ce sera moins joli. Bref, on va tester. Bon ben voilà, ça rentre pas. Ça rentre pas du tout, donc je vais être obligée de modifier là la courbe ici, modifier la courbe là pour que ça rentre sur le tissu. Voilà. Je suis trop déçue. Je crois que j'ai encore oublié de terminer le vlog hier soir, donc je vais le terminer maintenant. En fait, j'ai pas fait exactement ce que je voulais. Moi, dans mon objectif du week-end, c'était que je devais couper tous les tissus, y compris de la robe maize. Je n'ai pas eu le temps de faire ça, hein. Donc il va falloir que je le fasse cette semaine. Donc l'avantage, c'est que c'est moi qui commence le relais couture dimanche, donc j'ai pas besoin d'avancer sur la couture, je n'ai besoin que de découper. Donc ça c'est déjà une bonne chose, parce que je n'aurai pas de retard par rapport à la couture de maize pour le relais. Donc bah, je vais le faire cette semaine, je verrai comment je me débrouille, à quel moment je le fais. Mais je pense que je vais étaler mon tissu et dès que j'ai 5 minutes, placer mes pièces dessus, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlogmas et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau vlogmas. Promis, juré, de vous à moi.
Je vais changer que vous soyez encore une fois fiers.